Carrefour à sens giratoire, on va tourner à droite. J'adapte ma vitesse bien avant le passage piéton. Je commence à essayer de voir s'il y a du monde ou pas. S'il y a énormément de monde, je continue à une allure pour m'arrêter. J'avais déjà anticipé avant le passage piéton. Je regarde, je vois ceux qui ont les clignotants, ceux qui ne les ont pas. Je vais tourner à droite. Je regarde régulièrement la voie de droite s'il n'y a pas de piéton en train de traverser, s'il n'y a pas un bouchon non plus. Donc je regarde à gauche, je regarde à droite. La voiture bleue sort. Et là, je vais bien le regard le plus loin possible sur la droite. Je tends des coups d'œil si personne me dépasse par la gauche, si j'étais un petit peu trop lente. Franchissement des carrefours à sens giratoire, on me l'annonce. Je vais adapter ma vitesse pour être à une allure très lente avant le passage piéton. Donc, si je dois m'arrêter, c'est bien avant le passage piéton. Il n'y a pas de piéton. Je sais déjà si je passe ou pas. L'allure est lente. Je serre bien la droite. Je contrôle mes rétros. Je vois les voitures qui sont derrière moi, qui vont rester. L'angle mort, je vois bien qu'il n'y a personne. En face, pas de piéton non plus. Et j'adopte une vitesse plus dynamique en sortie de rond-point. Prochain rond-point giratoire, on va tourner à gauche. Je me place donc le plus à gauche possible, étant donné qu'il n'y a personne. Je vais serrer le côté gauche. Je vois qu'il y a des voitures qui sont déjà à l'arrêt. Je vais ralentir énormément avant le passage piéton. Je prends ma décision. Je vois qu'il y a énormément de voitures. Donc j'adapte ma vitesse pour continuer à m'arrêter. Après la grise, je vais pouvoir y aller. Je serre donc à gauche pour tourner à gauche. Je reste collée, contrôle en permanence mes rétros. Je vois déjà ce qui se passe. Une sortie avant la mienne, je mets mon clignotant. Je serre bien à droite. Je regarde le passage piéton en sortie. Pas de piéton qui est à l'approche. Si elle est au milieu, je vais m'arrêter même s'il n'y a pas de passage piéton. Se place sur la voie de gauche, si ce n'est pas encore déjà fait. J'adapte ma vitesse bien avant le passage piéton. J'arrive à une allure pour m'arrêter. Pas de piéton, pas de voiture qui approche ou elle sort. Je me sers bien à gauche. Bien à gauche, je laisse passer la voiture qui est sur ma droite. Hein. Bien à gauche. Une sortie avant la mienne, je vais devoir me rabattre. J'ai déjà contrôlé mes rétros. Je me place sur la droite. Pas de piéton, sortie de rond-point. Et j'accélère dynamiquement en sortie de rond-point. Pour tourner à gauche au rond-point, on se place dès que possible dans la voie de gauche. Cependant, des fois, il y a trop de voitures qui arrivent sur la voie de gauche. Donc, je suis obligée de rester sur la voie de droite. Vous ne paniquez pas, vous restez à droite. Vous signalez donc que l'on va aller à gauche. Il y a toujours trop de voitures sur la voie de gauche. Pas me placer, j'ai un scooter aussi qui arrive. Vous restez à droite, toujours bien à droite, et on va tourner à gauche. Donc vous vous arrêtez, vous ne changez pas de voie maintenant, même s'il y a un petit peu de place à gauche. D'ailleurs, non, il y a encore des voitures qui viennent d'arriver. Je vais tourner à gauche en restant à droite. J'attends bien sûr à mon giratoire qu'il n'y ait plus personne. Je vais m'engager. J'ai le clignotant à gauche, je sers bien à droite. Je fais bien attention ici, si la voiture blanche ne me coupe pas la route, non. Je continue en restant bien à droite. Et j'arrive à ma sortie à gauche, je mets le clignotant à droite, contrôle angle mort si on ne me coupe pas la route étant donné que j'étais mal placée. Voilà, donc vous ne paniquez pas, rond-point à gauche, là je vais essayer de le faire, regardez, je me place à gauche, ça sera plus facile. Si vous n'y arrivez pas, ce que vous faites c'est que vous restez à droite tout le long du rond-point à carrefour à sens giratoire, vous restez le plus à droite possible en serrant à droite avec le clignotant à gauche.